Hello les amis, donc voilà, je voulais partager avec vous mon rêve de cette nuit, donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que ça fait un an que j'ai perdu ma grande amie et suite à son décès, j'ai fait toute une série de rêves plus spirituels, on va dire, avec un être de lumière, avec des paysages indescriptibles, euh, elle est aussi venue me voir en rêve, etc. Et donc c'est tous des rêves qui donnent une certaine pêche. Et comme j'avais fait dans une autre vidéo, comme j'avais expliqué, euh, voilà, le ressenti est très positif pendant le rêve et après le rêve. Et ce n'est pas un rêve habituel avec l'inconscient qui règle des choses, etc. Et cette nuit, bingo, après avoir eu une semaine très difficile la semaine dernière, euh, des journées précédentes qui sont mieux passées que prévues et qui règlent des choses, eh ben, cette nuit, j'ai rêvé, tenez-vous bien. Donc j'étais dans une sorte de home, je pense, avec des personnes âgées il y avait deux personnes que je connais dans mes rêves, enfin je les connais en vrai, elles étaient dans mes rêves, et tout à coup euh, il m'arrive quelque chose et euh, donc c'était plutôt un rêve dans un rêve. Donc quand je dis qu'il y a des connaissances, ça ça va être dans le dans la suite on va dire. Donc je reprends par le début, désolé de ne pas être claire. Donc dans mon rêve j'avais la faculté de passer à travers les corps donc je voyais quelqu'un et je sentais la personne, mais c'est pas comme d'habitude quand on sent quelqu'un et que c'est dur, on va dire, qu'on sent euh, la peau, le contact, etc. Là ma main passait à travers le corps de la personne et après je pouvais aller tout à fait dans le corps de la personne. Donc comme si j'étais un esprit au en fait. C'était vraiment euh, très, euh, j'ai envie de dire farfelu, mais c'était pas ça, c'était vraiment très intrigant et euh, j'ai vu ça comme un jeu au en fait. C'était euh, agréable à essayer donc je me suis dit bah voilà. Et C'est vrai que ça fait tout en temps que je lis euh, euh, et que j'entends qu'il y a des esprits qu'il faut se protéger, qu'on donne des soins, euh, faut protéger nos maisons. Et là c'était comme si moi j'étais l'esprit et que je pouvais rentrer dans le corps euh, d'une personne et d'une autre. Et c'était tellement intrigant qu'après ben, euh, je me retrouve euh, comment dire? enfin euh, pour moi c'était c'était un, une capacité et après j'avais besoin de l'expliquer, à Mes copines, et donc là j'étais dans un autre rêve. et Je pense que c'était euh, un rêve dans le rêve, donc c'est à dire, euh, désolé hein, si je suis pas très claire, donc j'expliquais ce qui se passait à mes deux copines. Voilà, et puis en me réveillant, je me suis dit, ah ben tiens, waouh! Et après, j'ai une énergie très haute toute cette journée. Et déjà hier, j'avais donné un soiré qui, demain, j'en donne un. et c'est vrai que je vois les choses plus avec la lumière, avec le positivisme, etc. Et donc, je voulais partager ça avec vous. C'était vraiment une expérience extraordinaire. C'était peut-être une sorte de voyage astral. Je n'en sais rien. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Mais sur ce, moi je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!